Le Zimbabwe à feu et à sang. Au moins 3 personnes sont mortes et plusieurs gravement blessées lors de violentes manifestations lundi et mardi dans tout le pays. Plusieurs ONG ont affirmé que la police a ouvert le feu à balles réelles contre les manifestants. Un appel à la grève générale avait été lancé pour protester contre la hausse brutale des prix des carburants qui font du Zimbabwe le pays le plus cher au monde à la pompe.